Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur le chipping. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise le chipping avec différentes techniques. Et pour commencer, on va commencer par le set de chez AK Interactive, le set Rust Color Effet, un set que j'affectionne énormément. J'avais l'ancien set, mais a priori, ils ont mis une nouvelle formule de peinture. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo, petit à petit, étape par étape, comment je réalise différents effets. Donc, voici le set qui compose de 6 petits pots de peinture différents. Donc, ça ne veut pas dire, pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas, qu'il faut utiliser les 6 pots pour avoir un effet chipping. En l'occurrence, je vais en utiliser 3 pour l'intérieur du SLA Heavy APC de chez Minéar. Pour avoir un meilleur passage dans l'aérographe, je vais utiliser le Sinner. C'est une nouvelle formule aussi. Ça va me permettre tout simplement que la peinture soit un peu plus fluide. Parce que je travaille avec une aiguille de 0,2. Et voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Et en couche primaire, on va utiliser le Chipping Color AK 711. Donc voilà le rendu. Une fois la première couche primaire AK 711 Chipping Color passé, donc il n'y a rien à dire, c'est vraiment une très 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 bonne peinture, elle s'applique très bien, elle est hyper lisse. Et maintenant on va utiliser donc une autre peinture pour voir tout simplement une variante de couleur pour faire apparaître après le chipping, ça sera plutôt sympa. Donc en seconde couleur, donc là on a utilisé le Chipping Color. Ensuite je vais switcher sur une autre couleur du set et je vais utiliser le Old Rust AK 709. Voilà le résultat. Une fois que la peinture est bien sèche, après avoir fait une première variante de couleur avec le Old Rust AK 709, et pour terminer, on va faire une dernière variante de couleur avec le AK 708 Dark Rust.
Voilà le résultat. Donc là, la peinture est bien sec et on va s'arrêter là. Donc j'ai juste fait trois variantes de couleurs, donc on n'est pas obligé d'utiliser tout le set. Maintenant, on va voir le chipping. Donc il y a plusieurs méthodes de faire le chipping. Le chipping, on peut très bien le faire au pinceau, tout ça, etc. Mais pour l'intérieur, j'ai décidé dans ce tutoriel de vous partager donc le produit chipping de chez AK. Voilà le produit de chez AK, donc c'est le Worn Effet. Donc là, je vais utiliser ça. Donc c'est très très simple. C'est un produit qui s'applique pur. Il n'y a pas de dilution. Ça se met directement dans l'aérographe. Et donc on va passer ça sur les éléments qui recevra du chipping. Alors il faut savoir que personnellement, moi je mets au moins 4 couches de chipping et j'attends que ça sèche entre chaque couche car sinon l'effet ne marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, c'est qu'on va dire qu'il y a une autre technique aussi, une astuce, c'est de vernir et ensuite passer 2 couches de chipping. Et c'est aussi selon la quantité de peinture que vous allez mettre après votre peinture de base, plus vous en mettez, plus il va falloir frotter, etc. Donc c'est parti. J'applique là pour le moment, je l'applique partout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous l'appliquez partout et qu'après il y aura des éléments qui vont être peints à l'acrylique au pinceau, vous n'êtes pas obligé de frotter là où vous voulez, quoi. Le banc, il sera traité aussi, car il y aura un effet chipping aussi dessus, avec une autre couleur. Alors maintenant, on va commencer par la couleur que j'ai choisie. Donc c'est un blanc ivoire. Alors pourquoi j'ai choisi un blanc? Parce qu'il faut savoir que vous allez voir par la suite des vidéos avec les vieillissements et tout ça, ça assombrit vachement. Alors maintenant la peinture est bien sèche, c'est très simple, je prends un pinceau à poils doux, propre, avec de l'eau, et je commence à venir appliquer un petit peu d'eau, j'étale bien partout. Donc les pinceaux, c'est à poils doux, vous voyez, c'est des pinceaux que j'ai achetés chez Action. Chez Action on trouve de tout, pour la maquette c'est super, et c'est pas cher pour faire ce genre de travaux. Donc il ne faut pas non plus inonder, on vient juste appliquer, et maintenant on va commencer à faire apparaître tout ça. Donc là, j'utilise un pinceau. Vous voyez, regardez tout de suite, ça apparaît. Donc c'est un pinceau que j'ai recoupé, qui avait des poils durs, mais c'était encore un peu souple. Donc j'ai recoupé ça au ciseau pour avoir la souplesse que je veux, tout simplement, pour pas trop abîmer. Et donc on vient frotter là où on désire, là où on veut faire apparaître tout ça. Et on vient traiter la maquette un peu là où vous le voulez. Donc il y a plusieurs techniques. Je peux très bien utiliser un pinceau et autres, vous allez voir. Donc, vous voyez, j'insiste un peu plus. Ça va tout seul. Regardez par exemple avec un cure-dent. On met le cure-dent. Je fais juste quelques petits traits comme des rayures. Et après, je repasse le pinceau. Ça va aider, ça va accentuer. Ça va accentuer tout simplement les lignes. Je reprends mon pinceau. Vous voyez, hop. On a un petit résultat très très sympa. Alors même si certains éléments sont peints un petit peu en blanc, ça c'est pas très grave. Regardez les postes de commande, les radios, tout ça. C'est pas un problème. Je vais repeindre ça à l'acrylique au pinceau. Et on va traiter l'extérieur du véhicule.
On fera aussi du chipping, mais cette fois-ci au pinceau. Comme ça vous montre toutes les techniques. Donc ça sera quand même des vidéos qui seront en plusieurs étapes, forcément, parce que c'est très très long. Mais là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer et de vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi utiliser une brosse à dents, ça marche très bien. Donc là, je suis satisfait du chipping, je vais m'arrêter là. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement sécher un petit peu la maquette avec un petit coup d'aérographe. Ou alors vous pouvez tout simplement attendre que ça sèche, hein. On n'est pas obligé de faire ça. Voilà le résultat une fois sec. Donc moi je suis satisfait, j'en fais pas plus. C'est un effet vraiment sympa. Donc maintenant on va venir traiter le plancher. Donc là j'ai fait, bon, on va dire une petite erreur. J'aurais préféré quand même coller le plancher après, mais bon c'est pas grave. Un petit peu de masquage. Et donc pour la couleur du plancher et du banc, en fait, ça sera la même couleur que l'extérieur du véhicule, donc c'est la couleur SLA, Blue SLA. Donc là pareil, je continue à procéder la même technique que tout à l'heure. Je vais faire un petit peu de chipping sur le plancher. Forcément, le plancher il prend cher aussi. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo tutoriel sur le chipping, du moins dont la manière j'ai fait le chipping pour l'intérieur, il y a d'autres techniques différentes pour le chipping au pinceau. Vous verrez par la suite que l'extérieur sera traité au pinceau et non pas avec le produit. En tout cas, il reste pas mal de boulot, hein. Il y a encore tous les petits éléments, les extincteurs, les bonbonnes de gaz, à mettre en place les postes de commande. On va voir tout ça, les codes couleurs, les peintures, les vieillissements à l'huile, le watch, dans la suite des vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, car moi ça me fait toujours plaisir de partager ces petits tutoriels. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte pas grand-chose. Si vous avez envie de mettre un petit like, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir, ça coûte pas grand-chose non plus. Pour ceux qui me laissent des commentaires, bah, ça fait hyper plaisir. J'ai lu les petits commentaires là, des dernières vidéos, ça m'a fait vachement plaisir. Ça motive bah, tout simplement à continuer de faire des vidéos, car ça demande pas mal de temps entre les montages, etc., etc. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les amis, et merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao!